Alors bonjour et bienvenue sous cette nouvelle vidéo les gars. J'espère que vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner si jamais c'est la première fois que tu me vois. J'ai envie de te dire, voilà. Bon, peut-être attends, regarde un petit peu le contenu, regarde ce que je vais dire. Et après abonne-toi quand même, n'oublie pas. Voilà, c'est ça l'essentiel. Donc passons directement au sujet de la vidéo. Devenir riche en France, est-ce que c'est possible? Au vu de ce que l'on voit, les riches en général, il y en a beaucoup qui s'expatrient pour des raisons fiscales. Hein, concrètement, on va pas se mentir. Hein, même si la France c'est un beau pays, il y en a énormément d'avantages. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a énormément de riches qui partent et qui s'expatrient, et donc du coup on peut se poser la question, ok, mais est-ce qu'on peut devenir riche en France, puisqu'apparemment les riches ils partent à chaque fois. Donc c'est vrai qu'on peut se demander, voilà, clairement si on est honnête avec soi-même, en France on n'est pas dans un pays où concrètement on aime les riches, d'accord. Les riches sont mal vus, les riches sont vus comme des gens qui volent l'argent des pauvres. Les riches sont mal vus par la population, par les médias, par tout le monde. Si t'as une voiture, on te la raye. Si t'as une belle voiture, on te la raye. Donc concrètement, c'est clair que c'est légitime de se poser la question, est-ce qu'on peut devenir riche en France? Bien sûr que tu peux devenir riche en France, c'est les mêmes leviers. Tu vois, devenir riche, c'est quoi? C'est apporter de la valeur au monde, et en échange de ça, on te donne de l'argent. Concrètement, c'est les mêmes piliers. Hein. Ça va être le business, création de valeur, d'accord? Créer une offre ou avoir un produit, le vendre, d'accord? Et après, tu vas toucher de l'argent, et donc forcément, tu vas grossir, et tu vas te faire de l'argent. Maintenant, un des aspects qui va, là où le bas blesse, tu vois, c'est que, en tout cas pour nous qui travaillons sur Internet, concrètement, bon, tu vas te faire imposer à 33% sur l'impôt sur la société une fois que tu auras fait ta société. Et après, quand tu vas te verser un revenu, sur tous les revenus que tu vas te verser, ils vont te taxer 50%. Plus tu as des charges sociales à payer quand tu vas te verser, ça veut dire quand tu vas prendre ton argent de l'impôt de ton entreprise et que tu vas le verser sur ton compte courant, tu as en plus des charges à payer, je ne sais plus de combien, mais genre en gros, si tu te verses 1500, c'est pratiquement 3000 euros qu'il faut sortir de ton entreprise. Avec tout ça, concrètement, il ne te reste pas grand chose. Donc c'est clair que parfois l'expatriation, ça se pose à toi, hein, que tu le veuilles ou non, juste pour pouvoir survivre, pour pouvoir vivre de ton activité. Mais concrètement, oui, c'est possible de pouvoir devenir riche en France. C'est juste que ça va prendre beaucoup plus de temps, puisque vu qu'il te taxe un truc de malade, ça va te ralentir. J'ai un ami qui s'est expatrié, puis il a commencé à générer pas mal de cash en étant en France, et à un moment donné, il s'est expatrié. Il m'a dit que ce qu'il a fait en 2 ans, ce qu'il a fait en marge, on va dire, de marge nette, c'est ce qu'il aurait pris 10 ans à faire si jamais il était resté en France. Alors, je sais pas si tu te rends compte, et là, c'est pas des conneries que je te dis, c'est du réel. C'est pour te dire, tellement tu te fais taxer en France, la difficulté, ça te met dans ton évolution, dans ta progression. Donc concrètement, c'est clair que la France n'est pas pour l'évolution de la richesse, enfin la progression des personnes qui veulent créer un business et apporter de la valeur. Maintenant, si jamais tu es intéressé par l'expatriation, je te mettrai un lien. J'ai un ami à moi qui fait ça, il s'appelle Maxence. Tu pourras avoir une conférence où il explique un petit peu, parce que lui, il s'est expatrié, ça fait des années. Et tu pourras assister à la conférence et voir un petit peu ce qu'il dit. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc n'hésite pas à cliquer sur le lien juste en dessous. Si jamais tu as une expertise dans les finances, dans la santé, dans les relations, donc les finances, c'est immobilier, tout ce qui est bourse. Si tu es coach, consultant aussi, ça fonctionne. D'accord? Il y a un lien pour pouvoir avoir accès à la masterclass qui est offerte, d'accord, où je te montre exactement les stratégies que j'utilise avec mes clients pour leur permettre de faire 10 000 euros par mois vraiment rapidement. Tu as juste à cliquer, il va rien t'arriver. Si jamais tu hésites, on comprend pas pourquoi. C'est offert, c'est gratuit, d'accord. Tu vas juste choisir l'horaire pour pouvoir y assister la prochaine conférence, et puis tu pourras consommer tranquillement la masterclass. Donc pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui vont implémenter les stratégies dont je partage dans cette masterclass pour leur business, et ils vont avoir des résultats. Et je sais aussi qu'il y a des gens qui vont vouloir que je les accompagne pour pouvoir implémenter ces stratégies. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. D'ici là les gars, on reste déterminés et on lâche rien.